Salut tout le monde, c'est Captain Biceps et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de notre let's play sur Luigi's Mansion. Voilà. Excusez-moi, j'ai vu une souris. Donc la dernière fois on s'était arrêté dans cette salle. Et en fait on a découvert qu'il y a un fantôme et il faudrait qu'on arrive à le chasser d'ici. Voilà. Ouais, et aussi il y a des livres farceurs ici. Donc regardez. Regardez, voilà, il y a un fantôme. On va aspirer le bouquin là parce que c'est bon. Voyons. Est-ce qu'on peut lui parler? Non. Aïe. Il a l'air dur ce fantôme là. Aïe. Voilà. Voyons voir. Il y a un livre des énigmes. Ah, ça y est, il parle. Je crois qu'on a attiré son attention. Voulez-vous le lire? Ok. Ah, donc il me parle comme ça. Ok, d'accord. Oui, d'accord. Les mystères apparaissent où que l'on se tourne. Mais s'en détourner ne résout rien. Plutôt que de baisser les bras, regarde de côté et vois le mystère d'un œil différent. Une voie s'ouvrira certainement. C'est le fantôme qui m'a parlé. Il y a un livre intitulé Les ténèbres sont leur fromage. Voulez-vous le lire? Les souris fantômes sont autant attirées par les ténèbres que les vraies souris par le fromage. Dans le noir, elles brillent de contentement. Ah oui, c'est celle qu'on a aspirée tout à l'heure. D'accord. Je dois approcher une souris avant que la lumière ne revienne. C'est parmesan. Ça. Vous trouvez le livre de Périclès. Voulez-vous le lire? Bon, d'accord. Il existe des fantômes connus sous le nom de fantômes élémentaires. Ils vivent dans le feu, l'eau et la glace. Pour maîtriser ces éléments, il faut obtenir une médaille élémentaire. Il se peut que les fantômes élémentaires ne puissent être vus que par les porteurs d'une telle médaille. D'accord. Vous trouvez le guide des... Ah, des spectres du professeur Catastrophe. Voulez-vous le lire? Pourquoi pas. Cher lecteur, qui n'a jamais eu de soucis avec des fantômes peu faciles à surprendre. Ils connaissent de nombreuses tactiques pour se protéger de la lumière. Ok, c'est petit rusé. Que feriez-vous, lecteur, si vous étiez né à nez avec un spectre? Entêté, vous cherchez une solution, bien sûr. Une façon de les surprendre et de les débusquer. Quand un fantôme est surpris et montre son cœur, c'est là qu'il faut frapper. J'en ai attrapé plein de cette manière, des fantômes imprudents. Ok. On va lire un dernier bouquin. Ok, manuel des soins. Les jumeaux sont très timides pour les fantômes de rage. Ils sont même partis cachés à clé de leur chambre loin dans le manoir. Ils étaient en colère contre moi l'autre jour parce que j'avais fait tourner leur mobile avec les petits hélicoptères. Enlever des enfants, c'est pas facile. Mince. Ah, peut-être ça. On va trouver. Je suis sûr qu'il faut éteindre le feu. Donc faudrait... Ah! Le bateau!
Ah d'accord. Attendez, il va montrer son cœur là. Mince. Allez, dépêche-toi un peu. Ah voilà. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Phew. Yes. C'est bon, on l'a eu. Je sais pas à quoi ça sert une perle par contre. Voyons voir. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, donc on a trouvé une clé. Donc on va avoir une zone qui est ouverte maintenant. Ok. Ha ha. On l'a eu. Non, tais-toi. Arrête de dire Mario. Par contre, on va vite sauvegarder. On va voir le Toad là. Hop, hop. Voilà. Hop, voilà. C'est bon. Donc c'est bon. Maintenant, on peut repartir tranquillement. Donc apparemment, ce fantôme, ce serait le père de famille. Et après, il parle de jumeaux. Donc apparemment, il devrait avoir un jumeau. Et une maman, je crois. Et peut-être une grand-mère. Peut-être. Mario. Non, arrête. Voyons voir. Ah, à tous les coups, ici, c'est la mère. C'est la mère qui doit habiter là. Ah, est-ce qu'on peut aspirer les rideaux? Mon Dieu! Où est... Où est l'inspiration? Hop! Allez, allez, allez! Allez, aujourd'hui on chasse des gros fantômes! Allez! Allez, 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 allez! Allez, 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 allez! Allez! Allez, 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 allez! Oh, c'était chaud. Mais bon, maintenant j'ai compris la technique. Donc maintenant, est-ce qu'on va fouiller ici? Ah, et ça c'est le Toad qu'on a dû voir tout à l'heure, je crois. Bon allez, on va ouvrir le coffre. Hop. Yes. Oula, oula. Oula.
Ah non, ça c'est le top de tout à l'heure. Ok. Ok. C'est parti. Voilà. J'aime pas trop ça. Il y a une cinématique. Je suis désolé, mais je sauvegarde. Désolé. Mais là, ça m'a l'air dur et j'ai pas envie de devoir refaire le boss. Ce serait dommage. Hop. Hop. Voilà, c'est bon. C'est bon. Maintenant, je suis prêt à affronter. Apparemment, je crois que ça devrait être les jumeaux parce que vu les braillements. D'après la carte, ce serait. Ok. Voilà, on va aller là. Ne sors pas. Là, voilà. Non, 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 Luigi. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais je veux juste fouiller le meuble. Ah. Allez, viens par là. Faut un peu fouiller. Ah voilà. Allez. C'est quoi ce truc? Donc ça c'est le bébé. Je suis sûr qu'il faut aspirer ça. Enfin, on va réaspirer le ballon. C'est ça, le ballon. On va réussir. Ça peut pas être là. Non. Non, non, non. Mince, ce n'est pas ça. Attendez, il y a un truc qui fait de la musique. Si on aspire, si on peut aspirer, c'est une ours. Non, non, pas dans ce sens. L'autre sens. Voilà. Il y a une berceuse quelque part.
Mince. Comment je pourrais le surprendre? Mario. Mario. Mince. Voyons. Ah d'accord. Ah. C'est ça. En fait, il fallait que le truc se balance. Eh, tu veux jouer avec moi? Tiens, c'est écrit en bleu. Oh là là. Ah, le ballon. C'est ça, le ballon. Aïe, tu m'as fait mal. Oh oh, il est énervé. Je voulais juste jouer avec toi. J'aime pas les adultes. Pourquoi est-ce que tu serais plus grand que moi? J'en ai vraiment marre. Petit, maintenant, deviens plus petit. Petit, tout petit, minuscule, microscopique. Ouah. Oh oh. Oh non. Oh mon dieu. Oh non. On dirait le lit. Oh là. Mince. Oh là, qu'est-ce que j'ai pris ce matin? D'accord, il nous a lancé un sort. Il est badass. Ok. Oula. Faire quoi? Faut survivre. Ah là, c'est un vrai celui-là. Mince. Mince, j'ai raté mon coup. Vas-y, envoie ton ballon. Envoie ton ballon. Vas-y, envoie les ballons. Bon, ça va, c'est pas très dur. Voilà. Oh mince. Bon, on a presque eu la moitié de ses PV. Oh là. Tu crois que tu vas m'écraser? Mais non. Ah, tais-toi, arrête de brailler.
Allez, envoie tes balles. Oh là. D'accord, donc celui-là c'est le vrai. Allez. Non mais. Ah mince. On y est presque. Eh les amis. Plus qu'un coup et c'est bon là. Ok, tu joues à saute-mouton, c'est bien. C'est bien. Sérieux. Oh, quelle horreur ce bébé. Il est horrible. Jacques, en temps normal, ça pleure beaucoup, mais là... Là, ça pleure beaucoup et ça vous frappe. Oh là. Oui, oui, oui. Ah d'accord. Allez. Voilà, dans la boîte. Et hop. Yes. Youhou. Donc là c'est le big coffre. Voyons. Donc on a une clé. D'accord. Ah. Ksu. Luigi. Ok, il y a des parasites. Luigi, tu m'entends? Oui, je t'entends. Dieu merci, tu es vivant. J'ai soudainement perdu contact avec toi. J'étais inquiet. Tu me sembles fatigué après cette longue bataille. Tu as une petite mine. Pourquoi ne reviens-tu pas au labo pour te remettre? Quand tu aspires un boss fantôme, ton Ectoblast 3000 est prêt à exploser. Je crois que tu as montré à ce boss qui est le vrai boss ici. Ouais. Le vrai boss, c'est moi. Ok. Beau travail, Luigi. Tu es toujours entier. Ça fait plaisir. Regarde-moi cette merveille. J'ai mis 20 ans à la construire. C'est un portrificateur ectoplasmique. Il permet de transformer les fantômes en tableau et vice versa. C'est un exemplaire unique au monde. Irremplaçable. Comment fonctionne-t-il? C'est très simple. Il faut juste brancher cette fiche dans cette prise. Et c'est parti mon gars. Okay. Donc là, hop. Oh là. Ah ouais, d'accord. Là, ça doit être les parents et le bébé, c'est ça. Ah ouais, d'accord. C'est une machine à laver. Excellent. Machine à laver. Waouh, c'est quoi cette machine? Sérieux. Nous, on doit les mettre visibles, ok. Presser pour les rendre visibles, ok. Et transformer en magnifique portrait d'ectoplasme. Ok, ça c'est le père. Et après la mère. Par contre, on n'a pas eu les jumeaux. Ça c'est la mère. Donc à mon avis, il doit y avoir les jumeaux. Il doit y avoir d'autres à mon avis. Merci Luigi. Grâce à toi, j'ai pu retransformer ces fantômes en jolis tableaux. Merci. Yes. Vous avez pris en zone 1 Neuville, Lydiana et Oliver. Ok. 3 fantômes. Ok, donc on gagne de l'argent là. D'accord. Donc en gros on a quasiment 4 millions. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Ah. Ça doit être, je sais pas, le score ou un truc comme ça. Donc là, on va sauvegarder. Et je pense
qu'on va se laisser. Voilà. J'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu. Voilà. Et à la prochaine. Allez. Ciao, ciao. We'll be right back.